Bonjour, peuple de Dieu. Alors, moi, c'est Laetitia. Je viens rendre grâce à Dieu aujourd'hui parce que j'ai été victime d'un très grave accident le 16 avril 2022. J'étais entrée sur un poids lourd, 18 roues, et la roue du groomier est passée sur mon pied gauche. Bon, on disait même qu'on va couper le pied, mais par la grâce de Dieu, Dieu n'a pas permis cela. Et aujourd'hui, le 22 mai 2022, je suivais la radio en direct avec mon petit téléphone que vous voyez là. Et après, papa a parlé, il y avait un jeune homme, si vous pouvez revoir les enregistrements, il y avait un jeune homme qui avait le même problème, on l'avait opéré le pied gauche. Et je me suis dit, ah, voilà un jeune homme qui s'est levé, papa a parlé, pourquoi pas moi? Je me suis donc, j'ai prié, j'ai pris l'huile de faveur, j'ai frotté. Parce que quand j'essayais même parfois de me lever, le pied saignait et la bande était remplie de sang. Quand papa a fini de parler, il a dit, même si le miracle n'arrive pas là maintenant, ça peut arriver à la maison. Le culte est fini, j'ai éteint ma radio, je me suis appuyée sur le placard de ma chambre, je suis tombée d'abord. Après, j'ai dit dans mon cœur, Satan, tu es petit. Je me suis levée et j'ai commencé à marcher. Ma maman a la vidéo. Elle a la vidéo. J'ai commencé à marcher. Qui a la vidéo? Hey, quelle est où? Où est la vidéo? Dama il n'a pas rose, mais rien. Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Can somebody celebrate? Un pied cassé guéri à la maison. A broken leg healed. Jésus, voyez. C'est comme si l'église s'il n'est pas prête pour le miraculeux ce matin. À la maison. Voilà la vidéo. Et ça, vous suivez ça? Les os cassés, elle dit ça saignait tout. Elle s'est levée, elle a dit, oh Seigneur, je me connecte. La distance n'est pas une barrière. Toute personne qui me regarde en direct ce matin, quelle que soit la situation de ta vie, reçois ta délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Et là, vous marchez, venez marcher, on voit. Aïe. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Wow. La gloire à Jésus, la gloire à Jésus. Vous voyez, il y a des gens qui pensent qu'il faut d'abord qu'on mette la main sur eux pour qu'ils reçoivent le miracle. À la maison, elle a reçu son miracle. Ce matin, n'attends pas que je te touche. Juste le son de ma parole. D'ailleurs, ton miracle est déjà accompli au nom de Jésus. Et ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi aujourd'hui? De savoir qu'à la maison, le nom de Jésus-Christ peut vous guérir. Ça m'envoie à l'extase, papa. Ça vous envoie à l'extase. Oui, papa. Aïe. Ça, c'est le plus gros mot qu'on m'ait jamais donné pendant le témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce témoignage est vrai, il est certain. Et il scelle aussi ta délivrance, ton témoignage au nom souverain de Jésus. Papa. Et après ça, le pied n'a plus jamais saigné jusqu'à ce que ça s'est fermé. Aïe. Ça n'a plus jamais saigné. Les gens pensent que le nom de Jésus, c'est les jeux. Oui. Yes. Voici la vidéo. Papa, je n'ai plus mal à la cheville. Merci Jésus. Papa, je n'ai pas. C'était sa première fois de marcher depuis l'accident du 16 avril. Let the fire from your altar touch my life. Je me suis levée, j'ai commencé à marcher. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aimez Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le pasteur qui ne croit pas au miracle, c'est le problème. Dans le ministère-ci, Jésus-Christ est vivant, il est présent. Amen. Et il confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Que Dieu te bénisse. Amen.